Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale puisqu'un abonné m'a prêté son ID3. Du coup, on va vous proposer avec Camille un test de l'ID3. Donc c'est la petite berline de chez Volkswagen qui a été mise en concurrence avec la Tesla. Je sais qu'il y a l'ID4, mais en termes de prix, j'ai demandé à son propriétaire, grosso modo, ça lui a coûté le prix qu'a coûté notre Tesla Model 3. Donc comme ça, on va pouvoir, avec Camille, vous donner nos impressions par rapport à la Tesla. Est-ce que l'ID3 est une voiture sympa? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que la Model 3 est mieux? L'ID3 est mieux? On va essayer de vous faire un petit ressenti sur cette voiture. Donc au niveau du poste de conduite, déjà on note une grosse différence avec la Model 3, à savoir que les sièges sont en tissu. Comme vous pouvez le voir, ça a un aspect moins premium. C'est un mélange de tissu. Je sais pas si c'est de l'alcantara, on dirait. Là, on dirait de l'alcantara, et là, c'est du tissu plus basique. Donc, le mélange de gris clair et gris foncé. Pour une voiture de ce prix, clairement, je trouve que ça fait pas très premium. Y compris les accoudoirs. J'ai plus l'impression de me retrouver dans une Clio que dans une voiture à 38 000 euros. Pareil, la console centrale. Alors, vous avez des rangements ici. Vous avez possibilité de mettre votre téléphone ici pour le recharger, un recharge à induction. Vous avez des ports USB-C qui sont situés dans l'accoudoir central. Alors le propriétaire lui préfère avoir son téléphone ici, donc il a mis un support sur lequel il vient recharger son téléphone. Mais je répète, vous pouvez très bien ranger votre téléphone dans ce rangement là et vous avez un chargement directement à induction. Au niveau des places arrière, elles sont assez confortable, j'y rentre entier comme vous pouvez le voir. Je suis pas très grand, je fais 1m75, mais je pense que une personne un peu grande, elle aura peut-être tendance à peut-être toucher un peu. Vous voyez, je suis pas si haut que ça du ciel de toit de la voiture là. Après, au niveau confort des sièges, on n'est pas du tout sur la même typologie que la Model 3. Ils sont un petit peu plus fermes, j'ai l'impression. Je suis même sûr. Alors par contre, bon point, on garde quand même une console centrale avec le porte-gobelet. On a le système pour passer les skis, si jamais vous voulez aller en station de ski pour l'hiver. Donc ça, pour moi, par contre, c'est un bon point, l'accoudoir central. Quand on est à deux, on peut vraiment bien se poser. Alors par contre, je vais vous le remontrer, mais pour moi, c'est plus une deux places à l'arrière qu'une trois places. À mon avis, on peut mettre une troisième personne, mais il ne faudra pas qu'elle soit très large. Bon, par contre, pour une Volkswagen, je suis assez déçu des finitions globales. Ça fait très plastique bas de gamme. C'est vraiment dommage parce que c'est leur première grosse électrique, entre guillemets, et je pense qu'ils auraient pu faire un petit effort là-dessus. Surtout, toujours pareil, quand on la ramène au prix, c'est le prix d'une Tesla Model 3 SR+. Donc, quand on compare les deux en termes de finition, on n'a pas vraiment l'impression d'être sur les mêmes catégories. Au niveau du coffre, on est sur un volume qui est quand même pas énorme. Alors par contre, avantage par rapport à la Tesla Model 3, il y a un hayon. Donc on peut défaire le hayon et entasser en hauteur les bagages. Par contre, en profondeur, il n'y a pas photo, le volume de la Tesla est plus élevé. Et on a un sous-coffre, mais pareil, ça reste assez léger.
Alors il s'enlève, hein, on peut enlever le cache pour avoir une profondeur un petit peu plus prononcée. Et par contre vous voyez que bah, c'est là que le propriétaire garde son câble de recharge. Au niveau du poste de conduite, on va retrouver les mêmes plastiques, hein, un peu bas de gamme qu'on a à l'arrière. Avec sur la porte conducteur, ben, tous les réglages pour les vitres électriques, les réglages de rétroviseur, le blocage, le verrouillage de porte, donc tout intégré dans la porte. Par rapport à Tesla où il n'y a que les réglages de vitres électriques sur la portière. Au niveau du siège, ce qui est intéressant, c'est que la voiture est un petit peu plus haute. Donc pour les gens qui n'aiment pas trop les voitures, où on se baisse pour rentrer, c'est un autre point positif. Parce que du coup, la voiture est à hauteur et on n'a pas besoin de se baisser pour rentrer dedans. C'est vrai que de ce point de vue-là, pour beaucoup de personnes, la ID3 sera plus agréable que la Model 3. Ensuite, au niveau des sièges, là par contre, on n'a pas le même ressenti au niveau confort que dans la Model 3. Alors déjà, quelque chose que je trouve vraiment dommage pour cette voiture, pour une électrique, c'est que les réglages du siège sont manuels. Tout est manuel. Sur un véhicule électrique, je trouve vraiment dommage qu'ils aient pas électrifié les sièges. Par contre, les gens qui sont adeptes de boutons et de commandes au volant, ils vont être ravis parce que là, pour le coup, contrairement à la Tesla, on a vraiment toutes les commandes, soit sur la porte, soit sur le volant. On a un écran que je vous montrerai tout à l'heure quand on testera la voiture qui permet tous les réglages de base. Mais on a en plus des vrais boutons pour gérer la clim, le son, la conduite assistée, qui vous le verrez est pas mal non plus. Donc pour les gens qui sont adeptes de commandes au volant, d'ailleurs vous avez des commandes aussi sur le volant, voilà vous avez vu, j'ai à peine approché la main. Il a éclairé le volant, il a montré les commandes directement. Et enfin on finit par la boîte à gants, qui est pas très profonde. Ça commence à être de plus en plus le cas sur les voitures de ce style. Et alors, petite subtilité que j'aime bien, c'est que sur la voiture, on a un toit panoramique. Passez votre doigt ici. Voilà, vous allez ouvrir le toit panoramique. Alors en fait, ça enlève juste le cache. Le toit reste fermé, hein, on a le panoramique. Mais ça permet de dégager la vue. Ça, c'est une vraie bonne idée aussi, je trouve. Ça aurait été une option sympa à avoir dans la Tesla Model 3. Donc, je remontre les touches tactiles du volant. Hein. Donc, c'est tactile. Hein. Enfin, c'est sensitif, du moins. C'est l'impression que j'ai. Ah oui, il y a un retour haptique, en fait, quand on appuie sur les touches. C'est-à-dire que vous sentez sous votre doigt comme si vous appuyez sur une touche. Donc, au niveau de l'écran du tableau de bord, donc... Nous avons les commandes tactiles directement sur l'écran. L'écran est compatible Apple CarPlay, comme il vous l'indique. Donc pour les gens qui veulent des boutons, vous allez être servi. C'est clair que c'est pas la même philosophie que la Tesla Model 3. Et Dieu sait qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout n'avoir que l'écran de contrôle sur la Tesla Model 3. Au niveau des pédales de conduite, elles sont déjà chromées, hein, contrairement à la Model 3. Et au niveau de la position de conduite, bah, du fait... Le siège soit pas électrique et qu'il y ait beaucoup moins de réglages, je trouve le siège moins confortable et beaucoup plus ferme déjà. À ce niveau-là, c'est vrai que le confort de la Model 3 est vraiment incomparable. Et à noter que sur la ID3, il n'y a pas de réglage lombaire. Donc pour quelqu'un comme moi, c'est quand même un manque assez important. Il y a des gens que ça dérangera pas, donc tout dépend de comment vous sentez votre confort au niveau de la voiture, mais c'est vrai que pareil, une fois qu'on a pris le goût du réglage lombaire, bah, c'est compliqué de revenir en arrière. Autre détail qui est dommageable et qui fait un petit peu moins premium, donc là vous voyez que nous sommes sur les roues avant, donc alors j'ai oublié de préciser, mais les roues sont montées en 19 pouces. Donc là, on a bien un frein à disque, et si on va voir les roues arrière, on se retrouve avec un frein à tambour. Sincèrement, c'est vraiment de la petite économie, ça. Hein. Ils auraient pu faire beaucoup mieux que ça. Donc prise CC combo. Bon alors, ton ressenti sur la voiture ben moi, côté esthétique, j'aime bien. Hein. Ouais, le topé. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ça fait petit SUV compact. L'arrière. Oui, l'arrière, franchement, c'est de la gueule. Avec les phares, les clignotants, séquentiels. Franchement, c'est sympa. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Ce que j'ai remarqué en premier, c'était les jantes en 19. Franchement, sur ces deux voitures, je trouve ça vachement sympa. Je trouve ça très sympa. Après, au moins chez Volkswagen, c'est surteinté à l'arrière d'origine. Donc ça, c'est quand même chouette.
Alors à noter, par contre, j'ai oublié moi de le préciser, mais du coup, il n'y a pas de rangement. Il y a le moteur hein, dans le coffre avant. C'est dommage aussi. Quitte à mettre un moteur électrique, autant le mettre sur les roues, quoi. Voilà, après, je suis un petit peu moins fan de l'avant, qui est un petit mélange entre Golf et New Beetle. Mais bon, ça, c'est tout à fait personnel. Hein. Mais je la trouve. Moi, je la trouve plutôt sympa. Je la trouve plutôt sympa à l'extérieur. Petite berline compacte, quoi. Sympa. Les... Un peu haute, ça change vachement. Hein, parce que nous, on descend dans la voiture. Voilà, quoi, donc, ça va plaire à pas mal de gens, je pense. Ouais, aussi. Moi, je trouve que c'est vraiment un autre pour style. Pour le coup, mais, la hauteur, moi, me plaît. Oui, bah oui, c'est agréable. Hein. Cette hauteur-là est agréable. Hein. Clairement. Voilà. Par après, contre, au niveau des prestations, mais... bah vas-y, essaye les sièges arrière déjà pour commencer. Ah, oh. Bah quoi ? On a exactement pareil. Oui, tu parles du porte-gobelet. Le truc du milieu, je ne trouverai pas le nom, mais... Alors la voiture est un peu moins longue, hein. C'est pour ça que tu sens que tu es un peu plus... Ah bah franchement... Moi, je trouve qu'en termes d'habitabilité... Ça te va ? Ouais, c'est pas mal. Après, là, le premier truc, c'est... T'as dit que ça s'ouvrait, ça ? Oui. Voilà, parce que du coup, par rapport, nous, on commence à avoir l'habitude d'avoir le toit panoramique. Et du coup, c'est juste qu'on s'est un peu tassé. Par contre, hein, au niveau habitabilité, ben voilà, j'ai clairement pas les genoux. Elle est assez large, la banquette, en fait. Ouais. Donc du coup, on est quand même vachement... Moi, je trouve qu'on est bien assez. Bon, ce que je disais, moi, par contre, là où je suis déçu, c'est au niveau des prestations globales. Les plastiques qui font un peu cheap. Le tissu, alors j'ai l'impression que c'est de l'alcantara ça. Oui. Mais clairement. Mais voilà, là t'as du tissu Clio bas de gamme quoi. Enfin je veux dire, ça fait pour le prix de la voiture en ouais, termes de prestations, c'est quand je même le savais pas. Je savais pas le prix de la voiture effectivement. Donc c'est sûr que c'est pas. C'est ça, voilà. C'est par rapport. C'est dommage. Au prix, mais après, c'est par rapport au prix. Ouais. C'est ça. C'est un peu un décalage. Mais par contre non, hein, au niveau. Je trouve ça chouette les places arrière. Je m'attendais du coup, comme la voiture elle a l'air vachement compacte, je m'attendais à ce que ce soit, à ce qu'on se sente un peu. Eh ben pas du tout. Alors, que penses-tu du tableau de bord ? Ok. Alors je confirme, la lunette arrière, je crois que ils font ni mieux ni pire. Mais c'est vrai, elle est toute petite. Bon après le CHR était exactement pareil. C'est clair. Mais bon, après ça c'est pas très grave. Le poste de conduite, on est bien assis. J'imagine qu'on doit pouvoir régler le volant parce que là c'est très très bas. Donc ouais, je vois que les réglages. Après les réglages sont manuels. Oui, c'est pas électrique ça aussi en termes de prestations, c'est dommage. C'est sûr. Et il n'y a pas de réglage lombaire. Magnifique. Le volant est beau. Oui. Et je trouve que le mélange des couleurs là, entre les gris, les différents gris, les blancs et les noirs, c'est plutôt réussi hein. Moi je trouve pas. Je trouve ça détonne pas quoi. Non. Au niveau esthétique, ça va, c'est les plastiques utilisés qui sont cheap. C'est plus dans une Clio que dans une A5 que tu trouves ça quoi. Pas choqué. Sans critiquer les Clio, c'est juste pour montrer la gamme de voiture. Après il y a des boutons. Oui. On n'a plus l'habitude des boutons. Et non. Avec ou sans bouton? Ah bah ça fait moins épuré. Disons en ce moment, c'est un bouton, mais. Non, mais du coup. Il y en a pas non plus. Il y en a pas non plus énorme. Mais par contre, au niveau du, c'est marrant. Bah, alors, hop. J'ai plus la. Voilà, CHR. Oui, ça ressemble. Oui, c'est ce que j'ai dit. En montant là, j'ai l'impression de remonter dans mon ancien CHR. Il était un peu plus haut, je pense. Mais après, ouais. Alors, une fois que tu ouvres le toit panoramique. Ah bah, c'est vachement mieux d'un coup. Mais oui, t'as pris l'habitude d'avoir de la lumière. Chouette. Ouais, ça c'est chouette. La première chose que je remarque, c'est que voilà, pour changer les rapports, c'est pas intuitif. Pour moi, c'est pas très intuitif. Voilà. T'as pris l'habitude du commando de la Tesla en fait. Exactement. C'est-à-dire que là, mon premier réflexe, ça a été de mettre les essuie-glaces. Du coup. Et c'est ce petit bouton-là qui permet en fait de changer les rapports. Mais j'y étais pas du tout parce qu'en fait, il était masqué par le volant. En plus, j'avais même pas vu que c'était un bouton. Donc. Et alors, t'es heureuse de retrouver un compteur face à toi ou ça te manquait pas ou... Je me suis habituée à l'avoir décalé, mais je pense que je reprendrai vite par contre le pli de l'avoir en place. De regarder au milieu. Ouais. Après, t'as vu, du coup, t'as des boutons tactiles sur le volant aussi. Ah, c'est ça, parce qu'à l'arrêt, c'était tout noir. Bah oui, et c'est actif. Quand t'appuies dessus, ça fait comme si... Vas-y, teste. Appuie. Ah, faut appuyer. Ah oui, d'accord.
Ok. Voilà, donc tu as quand même des contrôles directement sur le volant aussi. Ah ouais, ouais. Ok. Alors, j'avais pas montré la clé, j'en profite. Je montre la clé, qui est plutôt sympa. Alors par contre, petit bémol, du coup, il n'y a pas de connectivité avec le téléphone. Donc, vous ne pouvez pas vous servir de votre téléphone comme clé. C'est dommage, parce que je pense que la voiture pourrait le faire, mais c'est juste qu'ils ne l'ont pas intégré. Oh, donc c'est là, beau, on a un petit rayon de lumière. Bien d'accord, du coup, qu'elle est en mode détection. Alors oui, parce qu'il y a un truc qui est assez sympa, qui n'y a pas dans la Tesla par contre, et qui est une bonne innovation, c'est qu'il y a un mode de pilote automatique, où la voiture, en fait, elle détecte les ronds-points, elle prend les ronds-points toute seule. Il faut juste garder les mains sur le volant, évidemment, comme sur la Tesla. Hein. Mais du coup, ça perturbe assez Camille. Déjà, faut freiner. Et oui, alors pareil, il n'y a pas le mode one pedal. Je relâche l'accélérateur. Je suis à... Allez, je vais me mettre à 50. Je relâche complètement la pédale. Ah ouais, non, c'est... Donc, oh, elle va finir par s'arrêter quand même. Hein, bon an, mal an. Mais bon, on a la distance de... Enfin, ça freine beaucoup moins fort. Mais du coup, ça veut dire qu'il doit y avoir moins de récupération d'énergie aussi. Sûrement. Pas tellement, puisque le moteur prend moins. Hop. Donc là, elle vient se caler. À 50. À 50. Donc tu appuies sur le bouton RES là et ça active le pilote automatique entre guillemets. Mm-hmm. Donc elle va venir détecter les véhicules devant. Alors là, surtout, elle détecte qu'on va arriver dans un rond-point, donc elle est en train de freiner toute seule. Je touche à rien. Je touche à rien, je touche à rien. Je touche toujours à rien. Elle va venir réaccélérer jusqu'à se caler à 50. Parce qu'elle détecte les vitesses, les panneaux. Du coup, elle va venir se caler sur la vitesse des panneaux. Donc ça, c'est quand même plutôt bien fichu. Et du coup, bah, c'est hyper reposant quoi, pour conduire. Parce que là, grosso modo, je touche à rien. J'ai pas de pédale, fais le volant quand même. Oui, bah, tu gardes la main sur le volant, ça. Avec le volant, c'est mieux. Ok. Virage devant. Ok. Ah ouais, elle gère aussi les virages. Voilà, elle a vu le rond-point, elle a vu le virage. Elle voit les autres voitures, elle voit les camions. Elle voit les deux roues, je pense. Oui. Voilà. Et on a la voiture à Scooby-Doo. Elle est trop belle. Ah, oh, par contre, c'est... Moi, elle arrive trop vite. Oui, toi, t'es... Non, mais après, c'est vrai qu'on a tendance à plus ralentir dans les ronds-points. Bon, après, attends, je vais juste faire... Ok. C'est bien une voiture électrique. Quand on lui demande, elle est là. Et donc c'est ça le petit écran là où on voit les véhicules. Mm-hmm. Bon, par contre on voit que les véhicules qui sont face à nous. Hein, par rapport face à la Tesla qui voit tout ce qu'il y a autour d'elle. Ou devant. Ouais. Donc là je suis passé en mode auto. Donc c'est la voiture qui gère l'accélération. Je gère que le volant. Donc elle nous indique bien qu'il y a un rond-point devant. Le truc, c'est de ne pas vouloir appuyer sur la pédale de frein. Oh, elle va trop vite pour moi dans les ronds-points. Elle va même pour toi. Ouais, je n'ai pas l'habitude de les prendre comme ça. Par contre, moi, en termes de ressenti, en conduite là au niveau du dos, c'est... C'est ferme. C'est rude. Hein. C'est ferme. C'est vachement plus rude que la Tesla. Oui, mais au final, tu vois, par rapport à... J'en reviens toujours parce que je connais bien la voiture, mais c'est le prix, ou presque, d'un CHR hybride. Là, on est sur une vraie électrique. Oui. Avec, mais ouais, mais en termes, tu vois, en termes de finition, c'est peut-être même un petit peu mieux. Ah non, mais elle est mieux en termes de confort. Elle est mieux que la CHR, hein, rien à voir.
En termes d'espace de vie aussi, parce que la CHR, on était un peu... Voilà. Et pourtant, au niveau du gabarit, je pense que c'est la même chose. Mais voilà, à choisir entre une hybride de chez Toyota, qui sont très bien, hein, tout le monde le sait que j'adore cette voiture, et cette électrique, il n'y a pas photo non plus, quoi. Et là, on est sur du vrai comparatif, des choses qu'on peut vraiment comparer, quoi. C'est des petits coupés, des petits, pas si petits que ça d'ailleurs, mais c'est des berlines coupées. Et là, pour le coup, dans cette gamme de prix-là, ok, moi je dis ok. Là, ça me paraît beaucoup plus cohérent et là, je valide, ouais. Donc là, je touche toujours pas au frein. C'est la voiture qui gère l'accélération. Oh. Tiens, du coup, tu peux montrer. Là, c'est pas là. C'est on pas voit le véhicule, là, qu'il y a devant. Alors, c'est plus sommaire que la Tesla, hein, mais il y a quand même un système de détection. Donc, à mon avis, quand on va se rapprocher trop, elle va freiner d'elle-même pour pas lui rentrer dedans. Voire elle va s'arrêter parce qu'on ne devrait pas tarder à arriver à un feu ou à un stop, ouais, c'est un cédé le passage. Là, je vais reprendre la main pour le stop, non, c'est un stop. Après on retrouve le confort de l'électrique, hein, le silence, beaucoup moins de... enfin beaucoup moins. Pas de vibration par rapport à un thermique, enfin, on a vraiment que le ressenti de la route, on n'a pas les vibrations du moteur. C'est reposant à conduire. Non, c'est vraiment agréable et j'aime bien le volant, je le trouve sympa. Moi, j'aime bien. Puis blanc là comme ça, ça fait un style. Plus, ça me rappelle ma première voiture, j'avais le volant blanc. C'est une option. C'est une option. On va se le faire confirmer, mais c'est une option. Ah non, c'est pas une option. C'est pas une option. On fera du montage. Et oui. Donc ouais, très joli ce volant. J'ai tendance à lâcher pour que ça freine tout seul, mais j'oublie à chaque fois qu'elle... qu'elle va freiner. Qu'elle va pas freiner. Enfin, elle freine, mais doucement, quoi. C'est vrai que quand tu prends l'habitude de la conduite pour une pédale, c'est compliqué. Après, on sera habitué, hein, c'est pas le souci. C'est juste de repasser d'un mode de conduite à l'autre. Par contre, au niveau autonomie. Oui, alors on n'en avait pas parlé, mais a priori, c'est 300 km d'autonomie en conduite normale. Là, on a la petite barre d'autonomie qui nous indique qu'il nous resterait à peu près 203 km. Il ne faut pas jouer les foufous hein, comme la Tesla, je pense. Et quoique, la Tesla, on ne l'a pas spécialement ménagée en vacances et au final... Donc l'autonomie, c'est quand même chouette. Oui, le seul bémol qu'on peut noter par rapport à ça, c'est que du coup, Volkswagen, ça veut dire en priorité pour les recharges le réseau Ionity, et c'est pas forcément le plus économique. Par contre, après, ouais, moi je valide le plaisir de la conduite en électrique, ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est super agréable. Non, mais c'est un bon petit SUV compact. Ouais, par contre, moi, c'est mon avis perso hein, par rapport à toi, c'est que au niveau confort du siège du conducteur, j'ai un gap arrière. Non, mais bien sûr. Mais je le sens déjà au niveau du dos. On est d'accord. Bah après, du coup... Les suspensions sont pas désagréables par contre. Hein. C'est pas... Autant les sièges sont un peu durs, autant la suspension, elle est pas dure. Hein. Non. Après, non, en conduite, elle est bien, mais je ferai pas autant de kilomètres qu'on a fait dans la Tesla, c'est clair et net. C'est dommage parce que j'aime bien l'esprit SUV où t'es un peu plus haut, mais ça manque de finition. Ça manque de finition et de prestations. Pas que les finitions, les prestations. Les prestations sont pas assez élevées par rapport au prix de la voiture, hein, parce que malgré tout, on parle d'une voiture à plus de 30 000 euros. Alors vous allez me dire, la Tesla elle est un peu plus chère, mais c'est la première voiture que j'achète à plus de 30 000 euros, la Tesla. Et on n'est pas dans des véhicules premier prix, donc on attend quand même des finitions et un confort un petit peu plus premium que ça. Voilà, c'est tout ce que c'est mon petit bémol par rapport à ça. On se retrouve pour la conclusion de cette vidéo après le test de cette ID3. On remercie encore chaleureusement l'abonné qui a accepté de se déplacer et de nous faire essayer sa voiture. C'était vraiment très sympa. D'une manière générale, j'en profite aussi pour remercier tous nos abonnés. Vous êtes vraiment super cool. Vous avez toujours des commentaires super motivants, super sympas. Donc, on vous remercie pour tout ça. Et donc, pour en revenir à l'ID3, donc on va préciser une chose en termes de prix.
Dans la vidéo, j'ai beaucoup dit qu'elle était au même prix que la Model 3. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la ID.3 de Volkswagen, elle a une gamme de prix qui est vraiment très large. Le premier prix va de 34 000 euros et suivant les options, les motorisations et la batterie que vous prenez, elle peut aller jusqu'à 50 000 euros, hors bonus écologique déduit. Évidemment, si on prend le modèle de base, on perd un petit peu en autonomie et en puissance. Par contre, quand on déduit le bonus écologique, ben là, on retombe sur une voiture à 27 000 euros. Donc, dans ces tarifs-là, par rapport aux finitions, ce que je disais dans la vidéo, ça peut être acceptable et ça peut être tout à fait une très bonne voiture. Par contre, pour les modèles les plus chers qui dépassent les 40 000 euros, pour moi, quand on regarde les finitions, quand on met ça en frontal face à une Tesla, c'est quand même dur, parce que pour moi, on n'est pas dans le même monde. Donc, autant la version de base, oui, les versions un petit peu plus haut de gamme, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Après, je vais laisser Camille donner son avis sur le sujet. Clairement, moi j'ai bien aimé l'ID3. J'ai bien aimé le fait que ce soit une berline coupée, Un mini SUV, on va un mini dire. SUV, ouais, c'est Voilà. ça. C'est-à-dire que on retrouve cette partie un peu haute. J'ai bien aimé le look, notamment à l'arrière. Moi, je trouve pas que ce soit mal fini, hein. Franchement, moi, je l'ai trouvé assez agréable. Franchement, il y a des petits trucs technologiques quand même relativement sympas. J'ai Le bien fait. aimé l'autopilote dans les ronds-points qui prend les ronds-points tout seul. C'est vrai que ça doit être reposant quand t'as pas à le gérer. Exactement, l'espèce de petite aide à la conduite, il est vachement bien fait, hein. C'est super bien fait, mais même, il y a tout un tas de petits détails, de petits gadgets, mais c'est aussi le cas sur les Tesla. J'ai bien aimé, franchement, moi j'ai bien aimé. Maintenant, voilà, on en revient à ça, c'est-à-dire que là, on n'a pas essayé, je pense qu'on a un modèle ID3 de milieu de gamme, hein. On n'était ni sur la voiture à 50 000 euros, ni sur la voiture à 30 000. Si on avait dû prendre un véhicule électrique autour de ces 25 000-26 000 euros, je parle évidemment bonus écologique déduit, c'est une super voiture. Là, c'est une super voiture. C'est-à-dire que pour le coup, alors, j'aimerais bien pouvoir tester aussi des Zoé, des Leaf, voilà, tout cela, mais pour le moment, de ce que j'en ai vu, celle-là, elle est carrément chouette, quoi. Elle est carrément chouette. Moi, je me pose des questions parce que, alors, s'il y a un abonné qui est dans la région toulousaine et qui par hasard aurait une MG, moi, je suis Ouais. intéressé de l'essayer parce que là, on se retrouverait avec une voiture à bonus éco déduit à 17-18 000 euros. Et j'aimerais bien voir la différence entre cette voiture-là et la ID3. Parce que si la MG, elle a les mêmes finitions et les mêmes prestations, autant partir sur la MG, hein, franchement. Après, moi, je reste déçu. Je vois aussi le CHR qu'on avait payé 26 000 euros. Alors c'est une essence, hein, rien à voir, mais Une les hybride. prestations étaient meilleures, hein, Une au hybride. niveau des sièges et tout. Enfin, les prestations globales étaient meilleures pour moi. Je suis vraiment. C'est dommage parce qu'elle a plein de bonnes idées cette voiture. Elle a une bonne gueule. L'idée d'avoir intégré l'attache remorque derrière la plaque, c'est super. Ça reste une électrique, donc en conduite, c'est reposant. J'adore. Le confort, bof. Les finitions, bof. J'ai bien aimé le côté SUV, par contre, où effectivement, on est à hauteur quand on s'assoit. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent que de se baisser, de se casser pour entrer dans une voiture comme la Tesla. Mais d'une manière générale, ouais, je reste sceptique. Moi, je préfère la Tesla. Là, Oui, on non, avait une mais. finition qui était un petit peu. C'était pas l'entrée de gamme, comme t'as dit, c'est un petit peu plus haut de gamme. Ben moi, à choisir, je garde ma Tesla, même quitte à dépenser. Là, on était sur un différentiel, d'après ce que nous a dit l'abonné, de 3-4 000 euros. Donc, je préfère mettre 3-4 000 euros en plus et avoir la Model 3 que celle-là. Oui, bien sûr, mais en fait, pour moi, et on en a discuté un petit peu avec lui, on arrive à la même conclusion, hein, c'est pas comparable, en fait. C'est vrai. On n'est pas. On n'est pas. En fait, il n'y a pas de ce type de berline. Je parle de la Tesla Model 3. Ce type de berline, en fait, sur ce segment, qui ressemble avec lesquels on pourrait vraiment comparer, eh ben, on peut pas trop, quoi. Ah, peut-être la i208, la i2008, pardon. Et encore que, Vous et voyez ma encore tête que. là? Mais honnêtement, pour moi, c'est pas vraiment comparable, voilà. Mais je pense que moi, j'aurais, si on devait avoir deux voitures, premier prix de l'idée d'entrée de gamme, quoi, hein, l'ID3 d'entrée de gamme, franchement, moi, ça m'irait nickel, hein. Ok. Voilà, ça, c'est clairement, moi, franchement, je l'ai trouvé sympa. Je l'ai trouvé sympa. Bon, après, voilà, est-ce que c'est pas justement les options type le toit qui peut être Panoramique, quoi. panoramique, voilà, ça c'est une Là, il y avait option qui tout un était tas d'options payante dans en celle qu'on fait. a pris, oui. Exactement. Franchement, j'ai trouvé pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Mais voilà, sans vouloir, c'est pas une histoire de comparaison pour moi. Ça se compare pas vraiment en fait. Mais j'ai bien aimé la voiture. Ouais, vraiment. Elle m'a bien plu cette voiture. Ce que je pourrais dire pour conclure, vu que vous avez deux avis différents, et puis c'est ça qui est intéressant,
Essayez. Voilà. Allez l'essayer. Si vous êtes intéressé, que vous hésitez entre une Model 3 et une ID3, allez essayer les deux. Mmh. Faites-vous votre propre avis. Vous avez vu que même dans un couple, pourtant on utilise la même voiture. Au final, on prend des décisions ensemble, mais on peut avoir des avis totalement différents. Donc, le mieux, c'est d'essayer. Si vous pouvez, essayez-les et faites-vous votre propre avis. Et dites-moi dans les commentaires, les possesseurs d'ID3, ce que vous pensez de votre voiture. Si vous avez déjà essayé une Tesla, pareil pour les possesseurs de Tesla Model 3, si vous avez déjà essayé une ID3, donnez-nous votre avis. Hein. C'est toujours intéressant. Puis, ça peut faire remonter des choses qu'on n'a pas vues ou moi, des choses que j'ai peut-être pas perçues, Camille non plus. Donc, c'est toujours super intéressant. Donc, n'hésitez pas. Et ceux qui ont d'autres types de véhicules électriques, on est toujours très intéressés pour pouvoir les essayer et faire essayer. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait ce soir, hein, clairement. Alors, cet abonné ne souhaitait pas être filmé, il n'y a pas de problème. Mais du coup, il nous a fait tester sa voiture très gentiment. Encore merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Mais accessoirement, on lui a aussi fait tester la Tesla Model 3 parce qu'il n'avait pas essayé. Et ses retours d'expérience, c'est toujours très enrichissant. Donc nous, on est open à vous nous montrer vos Zoé, vos Nissan, vos tout, en fait. C'est oui, toujours super intéressant. Moi, j'adore. Nous, c'est la mobilité électrique qui nous intéresse. On va conclure là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus. Ça aide au référencement et ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche qui va bien pour être tenu informé des prochaines vidéos. Nous, on a été ravis de faire ce test et de le partager avec vous. On vous dit à très bientôt et on vous fait des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.